Si on prend la définition, une définition très, très simple, hein, très courte de notre métier comme étant amener l'enfant ou ramener l'enfant sur le chemin de l'école, hein, là on était vraiment au cœur de ce travail-là, puisque avec le confinement d'abord qui avait amené une rupture physique, hein, avec l'école de certains enfants, et le déconfinement qui est plus ou moins facile, qui est plus ou moins accepté par les familles, plus ou moins accepté par les enfants. Je pense que là, on est vraiment au cœur de notre travail. De par notre positionnement entre le soin et l'école, on a vraiment un rôle particulier à jouer. Et en tous les cas, moi, j'ai l'impression qu'on peut amener des choses par rapport à ça. J'ai découvert d'autres façons de travailler ce lien à l'école. En présentiel, comme je le faisais jusque-là au CMPP, justement par le biais de quelque chose peut-être plus proche de la pédagogie, on a pu aborder la difficulté particulière de l'enfant par rapport à tel ou tel travail, avec des enfants seuls et avec des petits groupes aussi, des enfants chez lesquels l'accroche est difficile en direct dans les consultations CMPP. Je pense que oui, la visio pourrait être un moyen de travailler ce lien-là au préalable. J'ai trouvé là des familles, une autre relation qui se mettait en place, plus conviviale et en même temps plus lointain forcément, puisque c'était par téléphone ou par visioconférence interposée, quoi. Il s'y passe des choses différentes, c'est pas le même travail, mais on peut y travailler le lien.